Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau Let's Play sur le jeu Heart of Iron 4. Comme promis, nous allons cette fois-ci un Let's Play avec l'Union Soviétique. Notre but est d'amener le socialisme, le communisme à travers tout le monde entier. Bon, et de conquérir au passage un peu tout le monde. Donc l'Union Soviétique. Après la guerre civile russe, l'URSS a commencé à régner en maître sur la majorité de l'ancien empire russe. L'industrialisation rapide et la collectivisation qui ont suivi ont souvent coûté cher en vie humaine. Aujourd'hui, l'Union soviétique confrontée à une double menace extérieure, l'Allemagne à l'ouest et le Japon à l'est, sans compter les menaces internes dans les rangs du Parti communiste. Nous subissons le complot trotskiste par une âme méchance pathologique découlant des anciennes luttes de pouvoir ou un impact sur l'administration nationale, moins 20% d'unité nationale, et personne à la révolution, défense de dérive idéologique plus 50%, vitesse de construction, moins 10%, on peut créer des factions. Camarades, la défaite des villes contre-révolutionnaires trotskistes. Trotskiste nous a permis de nous concentrer sur la défense de la révolution. Le socialisme dans un seul pays n'est pas seulement un slogan, c'est notre objectif et notre raison d'espérer. Nous allons bâtir une belle utopie. Socialisme ici, en Union soviétique, et le reste du monde finira à son tour par adopter. Et justement, c'est notre politique. Hop. Techniquement, c'est pas dérangeant de le mettre en mode Iron. Oui, pourquoi pas, hein. URSS, Oh, normalement, c'est pas encore l'URSS, mais bon, pour moi, ça me retrouve facilement. Let's play. Voilà, ça vient. Donc, ça sauvegardera automatiquement. C'est intéressant, j'aurai pas besoin de m'en occuper. Alors, le jeu a été très peu modé, j'ai modifié, Alors déjà on va tout de suite faire comme au début de partie, j'ai rajouté un peu d'industrie en début de partie. J'ai modifié uniquement une priorité nationale. Celui-ci, c'est quand on arrive à une étape, j'ai modifié en fait un général, il va pas se faire limoger, il va rester avec nous. Donc ça c'est la modification que j'ai effectuée sur notre partie. Pour rester globalement juste. Ce qui est par contre, là on va avoir une grande politique déjà. Le rapatriement de nos flottes. Je veux que l'intégralité des destroyers se retrouve à Leningrad. Ici, on a une grande. Et tous mes sous-marins vont être envoyés à Vladivostok. Il faut que j'envoie la flotte. Donc, au début de partie, bon, c'est du remaniement naval, comme toujours. Je crois pas que je peux les envoyer, eux, donc eux on va les supprimer par contre. J'aime pas mélanger une flotte de sous-marins avec des flottes de navires de guerre. Ils sont bloqués à cause du détroit de Gibraltar. Je peux uniquement faire passer le commerce, le reste je peux pas passer. Donc ça c'est bon, il reste encore une flotte là-haut. Alors faut savoir que je me suis déjà bien entraîné avec cette faction. Donc je suis déjà plus ou moins bien prêt à faire ce qui doit être fait pour gagner la guerre. Donc au début de partie, c'est la faction peut-être la plus pénalisée étant donné qu'ils ont que 3 studios de recherche. De plus, c'est la faction qui construit plus lentement son industrie. Mais c'est pas grave. On va construire plein d'industries civiles pour booster rapidement notre économie. Avec tout ça, ça devrait tenir un petit coup. Au niveau militaire, on va booster ça, 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 ça. Bah parfait, quasiment toutes mes usines sont bonnes. Ici, il me faut du caoutchouc, on apporte ce qu'il faut. Et enfin, en navire de guerre, on va faire que des sous-marins. Alors, j'ai hésité longtemps à savoir qu'est-ce que j'allais faire comme armada. J'ai choisi les sous-marins plutôt que les... comment je connais Ah bah c'est bon, faut laisser dessus. 40-25, 10-05-2-14. Bon, on s'en fout. On en fiche un peu. Donc tous ces sous-marins vont être construits à Vladivostok.
Mince, j'ai fait clic droit. Production, vas-y, va stock, on va mettre toute notre industrie dedans. Donc notre armée va très vite être réunie. À l'ouest, nous allons avoir en fait deux fronts globalement. Alors, on va devoir créer nos armées. Donc une armée ici, une armée à l'ouest. Alors cette armée va déjà être renforcée par... Est-ce que c'est tout... J'ai encore en envoyé une. Voilà. Ici on va mettre le général Zhukov, l'un des meilleurs généraux de l'armée rouge. Nouveau tas d'opérations, on va mettre l'Asie. Je vais mettre la Sibérie, mais l'Asie. Cette armée va être nommée l'armée d'Asie. Enfin, l'armée de Sibérie. Armée de Sibérie. Voilà. Hop. Ici, Europe, Moyen-Orient. Après, il y aura sûrement un autre théâtre de guerre. On verra bien. Europe. Ici, on va nommer le commandant Ivan Konev. Il va être l'armée du Moyen-Orient. Armée du Moyen-Orient. Voilà. Il va tout de suite se mettre ici. Alors, je vais chercher toutes mes divisions alpines, là. J'ai 13 divisions alpines, je sais, dans mon armée. C'est là qu'on sait que c'est là qu'on voit que je me suis préparé quand même. Voilà. Et là-haut, c'est bon. Donc ici, normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. What? Cette armée, on n'en a pas. Bon, bon, on retrouvera bien les divisions qui manquent. Alors, toute cette armée-là doit rapidement être mobilisée ici. Ici et ici, la moitié va être scindée là. Alors, premier truc que je fais partie, c'est les concessions salitiennes pour avoir le poids politique plus 160%. Alors, j'ai deux choix, propagande collectivisme ou héroïsme pacifisme. D'habitude, le plus simple, c'est de prendre propagande collectiviste pour rapidement avoir ça et ça. Je trouve qu'héroïsme positif a quelques avantages que n'a pas l'autre. Je perds de pas politique et d'unité nationale, c'est vrai. Pas politique en une partie, c'est bien. Mais je gagne le culte du progrès, moins 5% sur toutes mes recherches. Socialisme scientifique, je gagne 3% de population en plus. Et surtout, je gagne cet emplacement de recherche que j'aurais gagné ici. Celui-ci, je trouve pas utile. Je préfère avoir de l'expérience dans l'aviation. École militaire, bon, bah, gagne 0,50% en plus. Gagne l'esprit national et l'école militaire qui permet de poser sur quota à 0,50%. C'est négligeable. Ces deux-là, je pourrais toujours les faire. Ici, on fera les deux. Et après, on verra le moment des grandes purges qui arrivera dans quelques épisodes. Je ne vais pas le faire tout de suite. Trouver la division arabe. Voilà. Donc là, on va rajouter cette division ici, et on va encore ajouter une. Voilà, Ivan Konev. Parfait. Donc maintenant, nous avons une armée de 24 divisions. Ça va être ma deuxième armée, l'armée du Caucase, avec le général Konstantin Rozovsky. Armée du Caucase. Armée du Caucase, ça doit être comme ça, si je me trompe pas. Qui va se positionner ici. Quoique je vais peut-être... Zhukov va prendre le contrôle de l'armée du Caucase. Ivan Zhukov. Qui va changer de couleur parce que j'aime pas cette couleur. Pourquoi pas. Ici on va mettre en rouge. L'armée de Sibérie, Zhukov. Konev. Moyen-Orient, ça sera Zhukov. Voilà. On va faire ça comme ça. Et là-bas, l'armée de Sibérie, on va envoyer le général Konstantin Rozovsky. L'armée de Finlande va bientôt être affectée aussi ses divisions.
parce que faut s'y prévoir. Alors, la question, est-ce que j'ai rajouté des troupes? Non, je n'ai rajouté aucune troupe à mon armée. C'est l'armée de base. Mince. J'aurais dû créer l'armée même si j'étais là-bas. Je n'ai pas modifié le nombre d'unités, j'ai juste modifié l'industrie qu'on nous fournit de base. J'ai dû rajouter une dizaine d'industries en plus. Civiles. Alors, armée de Finlande. Celle-ci sera en... bleu. Voilà. Mettre Finlande, voilà. Et tout ce qui reste ira sous les ordres de mon maréchal Mikhail Tungvetsky. Mikhail. Excusez-moi, j'ai pas un très bon accent russe. Ça sera l'armée de Pologne. Voilà. Alors, cette armée là va tout, je vais déjà tout de suite préparer mes plans d'invasion. Voilà. Quoique cette armée là, je vais pas lancer d'ordre d'attaque avec. Alors, là on va pouvoir lancer. Alors en début de partie, nous avons des grosses pénuries d'armes dans l'Union soviétique. Le reste c'est à peu près assez vite comblé, mais c'est les armes gros problème. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié quelque chose encore. C'est de supprimer l'intégralité de mes appareils sur le front. Je trouve que les appareils, j'aime bien avoir des au moins 100 ou 200 appareils à un endroit. Sinon je trouve que c'est vraiment trop faible. Donc il reste encore Leningrad. Et il reste Vladivostok, ça ne surprend pas. Voilà. Ça agouille un peu, c'est normal. J'ai mon ordi qui tourne derrière, je suis en train de compresser une vidéo. Je vous presse ça après. Donc cette armée là, je peux pas la bouger. Ça sera l'amiral là qui va prendre le contrôle. Ici, ça sera l'amiral Arzensi Kozova. Ouais. Ici on va tout fusionner. On a une bonne petite flotte de sous-marin qui sera sous les ordres de Vladimir Kazanotov. Voilà. Remilitarisation de la Rhénanie. L'Allemagne pose des troupes en Rhénanie. Prend la frontière de la française. Il y aura un bouleversement de Versailles. Après tout, on fait quelque part. Bon, je vous laisserai lire. Constitution stalinienne fait. Alors nous on va très vite rusher ça. Tac 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 tac. Donc ici, ça va me permettre de débloquer Konstantin Orvoski en tant que haut commandant militaire, en tant que terrorien, Djurgi Zhukov, un très bon théoricien, Zhukov, et Konstantin, c'est un génie au niveau des blindés, plus 15 d'attaque aux blindés, plus 15 de résistance. Exceptionnel. Ici, premier truc qu'on fait, passer des commis civils à des commis de guerre. Voilà. Donc en gros, j'améliore de 50% ma vitesse de construction de tous mes bâtiments. Et en plus, je diminue de 15% le coût de l'utilisation de biens de consommation, ce qui permet de débloquer encore plus. On va tout de suite maintenant justifier un objectif de guerre, prendre l'Azerbaïdjan. Ouais, voilà. Ici, il faudra attendre encore un petit peu pour prendre Hera. Pourquoi je fais ça? C'est pour rapidement en fait me faire de l'XP et pouvoir lancer ça. Pour que ceci marche, il faut en fait, une fois qu'on a fait prendre purge et qu'on a choisi un des deux arbres là, il faut qu'on ait fait une guerre. Et ça m'arrive parfois de réussir à faire ça avant d'être en guerre avec l'Allemagne. Et je compte en, si c'est possible dans cette partie de faire le même, je compte en profiter au maximum et de le faire. Et en même temps, la prise de l'Afghanistan, la prise de l'Iran fournira 8 usines civiles. En plus, et en même temps, je vais prendre l'Afghanistan, c'est un petit territoire, il y a quelques usines dedans, autant en profiter, ça fait en plus de XP. Pour quelques poids politiques, j'ai envie de dire, c'est largement rentable. Donc ici, on débloquera autre chose. Ouvrier iranien, votre libération est proche. Peuple soviétique va arriver. Non, communisme va arriver. Et normalement, l'avantage, c'est que le temps que mes objectifs de guerre, vu qu'ils prennent beaucoup de temps à être faits, 245 jours, soit réalisé. Et là, voilà, on fiche une des deux. Ça me fournira beaucoup de trucs. Le Xinjiang pourrait rejoindre plus tard mon...
le commun interne. Je peux pas démanteler la faction, ça m'embête. J'aimerais bien en fait annexer tout le monde et qu'on soit tous unis dans le même empire. Le Xinjiang, n'en faisant pas encore partie, j'aimerais bien l'annexer avant. La Mongolie fait déjà partie du commun interne, donc ça va être compliqué de l'aligner, mais bon. Voilà. Génie mécanique électronique, c'est fait. Tout de suite, calculateur mécanique. Donc l'industrie, bon, est toujours retardée. Voilà. Économie portatrice 10%, compensé par version révolution moins 10%. Je suis à plus 0. C'est le point noir de la faction, de toute façon, c'est la construction. Je crois qu'en début de partie, on commence. Je crois que je dois avoir. Ouais, je dois avoir 10. Je dois avoir peut-être bien entre 12 et 15 usines de moins, sans les modding. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est moi qui joue, c'est moi qui mode, c'est moi qui fais ce que j'ai envie quand je fais me parler. Non, plus sérieusement. Je mode ce qui me paraît logique et cohérent. Alors, à savoir que la France, j'ai enlevé le modding que j'avais fait qui permettait d'avoir une ligne Maginot de 10 par 12 avec les extensions. Parce que je me suis rendu compte que l'IA n'arrive pas à la percer. Moi, j'arrive quand je joue le Reich allemand, j'arrive à percer. Quand je joue l'Italie, j'arrive à percer la France, malgré que c'est la fortification. Mais pas l'IA. Donc, pour éviter que l'IA se pète les dents sur la France, j'ai remis comme c'était avant. Pour équilibrer, quoi, c'est uniquement. Donc, armée de Pologne, on va mettre en rose, la même couleur qu'à Pologne, quoi, pour dire. Ah. Devoir aller notre cours, manque à souveraineté. Je vous laisserai lire, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez lire. Donc, moi, je vais rusher rapidement tout ça. Et l'avantage de ça, socialisme, ça vous permettrait, si vous le souhaitez, si c'est envisageable, avec l'URSS. Que je retrouve, voilà, ici. Faible mobilisation totale, si vous le souhaitez. Les 3% sont compensés par les moins 3 là. Après, à vous de voir. Après, il faut savoir que pour l'instant, on est uniquement volontaire obligatoire. Donc, on a déjà 1,25 million de personnes. Matalia, ça va... Ouais. Matériel ici. Alors je produis tout de suite plein d'IOSHIL 16 et de PE8. PE8, je sais plus ce que signifie la signification PE. On va regarder, d'après moi, quelque part. Petliakov PE8. Donc Polkarnov IOSHIL 16. De mémoire, le I c'est Yoshi. Si jamais je me suis trompé, faites-le moi savoir dans les commentaires, je m'en excuse. Il y a une opportunité d'envahir toute la Turquie aussi. On pourrait tenter. Elle est non alignée. Ce qu'on va faire. L'avantage, ça me permet de faire une bonne petite guerre depuis le front du Coca. Ça permet d'XP mes généraux. Ça me permet de récupérer encore 11 usines civiles. Héroïsme passif, c'est fait. Culte du progrès, maintenant. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de lire ça. Il est temps de modifier nos constitutions et d'impressionner le monde entier en accordant des droits inédits aux ouvriers et aux paysans de l'Union soviétique. Héroïsme positif, il est temps de renoncer à bonne vieille propagande collectiviste léninisme pour favoriser nos meilleurs talents et d'en faire des héros d'une socialiste. Ouais, j'ai oublié. Culte du progrès, nous devons célébrer les remarquables innovations scientifiques soviétiques en cours de la pensée correcte, comme le montrent les brillants travaux du camarade Genzenko. Les innovations scientifiques du RSS sont toujours en avance sur celles de l'Occident décadente. Culte du progrès. Nous pourrions préparer l'invasion de la Turquie. Au niveau ressources, ici il y a du pétrole qui pourrait m'être utile. Il y a énormément de chrome. Donc ça serait pas déconnant. Alors, on a deux choix, industrie concentrée ou dispersée. Comme toujours, ce qui vous intéresse, moi je considère qu'il faut avoir plus de productivité, donc industrie concentrée est mieux. Mais industrie dispersée, avantage, c'est le maintien de productivité. Le 10% que je trouve extraordinaire. Mais j'ai une priorité. Le chrome, je crois que j'en ai beaucoup de chrome.
Commerce. Chrome. J'ai beaucoup de chrome, donc ça sert à rien que j'envahisse ce pays-là. Il y a 20 d'acier, j'en ai beaucoup. Aluminium aussi, caoutchouc, j'en ai pas mal. Donc oui, c'est. Vraiment, c'est bon. Alors, je vais pas envahir l'Irak, pour une raison simple, c'est que si on va ici, diplomatie anti-capitaliste, pousser vers le sud, conquérir Irak et Iran. Le problème, c'est s'il n'existe plus l'Iran et l'Irak, qu'est-ce qui se passe? Voyez, j'en conquiers déjà deux. Qu'est-ce qui se passe si trois n'existent plus? Apparemment, ce serait peut-être possible de contourner. Quoique, je pourrais. C'est vrai que je pourrais peut-être laisser l'Iran tranquille. Donc, l'Afghanistan, on va annuler la justification. Mossoul, ça serait pas déconnant. Pourquoi? Ça me permettrait de gagner trois frontières de plus contre la Turquie. Et surtout, ce pays-là a en plus d'usines civiles, a plus d'usines civiles que cette partie-là. On va faire comme ça la petite guerre ici, puis après la guerre contre l'Irak. Normalement là-bas, ça devrait bientôt péter la guerre civile. Ah, fasciste, communiste. Donc là, il me faut rapidement les armes. Dans un an, on n'a plus de pénurie. Alors, par rapport aux autres factions, nous, on aura beaucoup d'annexions de pays, on aura quelques guerres. Bon, la Finlande, une guerre finlandaise. Ceux qui connaissent un peu l'Union soviétique, ils devraient normalement la connaître. Le modding pour le Japon, j'ai toujours pas fait. Donc, le Japon, je sais pas comment ils sortiront contre la Chine. J'aurais peut-être dû faire ça avant cette campagne. Mais bon, on verra bien. Il en manque autant. Ici, amélioration. Ouais, j'ai des troupes en fait, j'ai des troupes non armées sur le champ de bataille. Ça, c'est beau quand même. Par exemple, cette armée-là, on voit. Armes légères incomplètes. C'est impressionnant de manquer des armes légères. Enfin bon, c'est normal, c'est l'Union soviétique. Ici, on gagne de l'industrie. Plus on gagne d'industrie, plus on consommera vite, plus on consommera vite, plus on aura d'industrie. C'est logique. Bon, par contre, j'ai gaspillé du point, donc j'aurai plus tard ce conseiller-là qui arrivera bien des jours plus tard. Nicolas Gvonensky qui permet d'améliorer la productivité des usines civiques. Je n'ai pas pour l'équivalent militaire avec les Russes. Donc tant pis. Il y a Yougoslavie. Je pourrais prévoir une annexion de Roumanie aussi, en début de partie. Mais ce qui fait que j'ai pas trop envie de le faire, c'est que j'aimerais bien faire une bonne guerre contre l'Axe. Construction avancée, ça c'est fait. Ici, là c'est bon. Alors ici tout de suite, je vais faire clé de maintenance, vous comprendrez pourquoi plus tard. J'ai pas fait normalement la recherche qui aurait prévalu à ce moment-là, ça aurait été normalement arme de soutien. Mais bon, armée de poids, normalement on n'aurait pas à envahir. Alors là, nous avons des blindés, les blindés. On va être ramené de l'armée de Pologne. L'armée de Pologne va fournir à place de la cavalerie. On va faire tous des affaires. Donc les blindés, je les bouge, j'aime pas les avoir dans les montagnes, les blindés. C'est des pertes d'unités inutiles. Autant là-bas, laisser une brigade de blindés dans un front comme ça, comme au niveau du Japon, ou au niveau du désert, tout ça, ça me dérange pas. Au niveau de la Finlande, ça me dérange plus, étant donné que ça aide quasiment que des bois. Là-haut, c'est quasiment géographique. Je crois qu'il y a une carte pour la géographie. Non, il n'y a pas une carte géographique, bon, tant pis. Il y a beaucoup de bois, beaucoup de marais là-haut. Et les blindés ne seraient pas du tout à l'aise. Donc, je préfère envoyer de la cavalerie. La cavalerie est peut-être moins adaptée. Vous voyez, ils ont quand même des malus dans les bois, tout ça. Mais ça reste une unité mobile. Donc,
on apprécie ça. Donc, toujours, on continue à rusher ce qui nous intéresse, nous. On conserve quand même des unités efficaces en toutes circonstances. Par contre, il faudra que je regarde pour les ressources. Le pétrole, bon, ça sera pas un problème avec les puits que je prendrai. En plus, le chrome. Chrome, il y a énormément de chrome ici. L'aluminium, les Yougoslavie et l'aluminium pourraient être intéressants. Guerre civile espagnole. L'Espagne en proie à la guerre civile. Plusieurs généraux soucieux de renverser le gouvernement Madrid ont mis un pronunciamo. Les forces d'armée espagnoles ont massivement répondu à leur appel aux armes. Les forces nationalistes de droite occupent une grande partie de l'Espagne, territoire d'outre-mer compris. La plupart des grandes villes échappent à son contrôle. Les troupes composées de loyalistes et de volontaires sont rassemblées sous l'aide du gouvernement républicain de gauche, même si ça se bat jusqu'au bout. La bataille d'Espagne commence, l'Espagne nationaliste. Et là, tout de suite, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre l'armée de Pologne. On va détacher 4 divisions. Ici, on va regarder ce qu'on peut envoyer. Envoyer corps espagnol, on peut en envoyer 5. J'ai dit 4, on va envoyer 5. Ici, on va prendre notre cher général Georgi Zhukonov. On va directement maintenant envoyer. Alors j'envoie de l'infanterie et pas des véhicules. L'infanterie suffit hein, normalement en Espagne. Je vous conseille des véhicules si vous voulez. Mais avec l'Union Soviétique, étant donné que j'ai des problèmes de pénurie de chars en début de partie, je préfère limiter. Parce que si je fais une bataille d'Espagne, déjà que c'est un terrain montagneux, ça va être colline. Tout ça, ça risque d'être compliqué, je risque d'avoir beaucoup plus de pertes que prévu et mes divisions ne seront jamais opérationnelles. De plus, j'envoie mon général là, le général Djukov, pour l'XP davantage. Je vous conseillerais plutôt d'envoyer un général 4 étoiles ou 3 étoiles là-bas. Pour ceux qui n'ont pas modé, je vous conseille d'envoyer un général 3 étoiles parce que Alexander Vasilevski pourrait être limogé dans vos choix. Voilà, donc, 11e Olympiade, les Allemands ont plus de médailles d'or. Voilà. C'est un truc qui nous intéresse. Ah oui, j'ai pas expliqué, j'ai affecté que 100 en unité, que 12 pour qu'il n'y ait pas d'attrition ici. Parce que si on regarde ici, je suis déjà à 13 avec 12 unités. Je vais s'imaginer ici, enfin 12, 13, 14 avec. 17 unités, si je mets toutes mes divisions là, j'aurai de l'attrition, je perdrai des hommes. On va s'arrêter là pour cette vidéo, étant donné que la guerre d'Espagne commence, on est déjà à 28 minutes de vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie, je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien, et à tout le monde, on commence à regarder cette vidéo en ma compagnie.